Oh, la pépite! Quand tu réalises que cette photo, elle a été prise il y a 10 ans, tu commences par prendre un sacré coup de vieux, et puis t'es pas loin du craquage. Et puis tu te dis que t'as quand même trouvé un boulot, que c'était pas gagné, que ça se passe pas trop mal, et que c'est quand même pas rien. D'un coup, t'es prise d'une petite vague de panique. Et sinon, t'en es où? Ok, bon bah commençons par le début, tu peux facilement affirmer que tu n'as pas de mec. Ah si si, attends, t'as quand même flirté avec un mec l'autre soir. Bah toi aussi t'as soif? C'est ça. Ouais mais je me disais aussi t'avais une tête de buveur. Ouais bon ok, pas de mec. Ah bah y'a ça aussi tiens. Ça fait 4 mois que tu y vas 3 fois par semaine aux aurores, et tu sais pas pourquoi, mais ton moniteur continue de te dire... C'est mieux, mais on y est toujours pas. Je vous remets 5 heures, ensuite on voit. C'est pas que t'as peur. C'est que t'es pas encore tout à fait à l'aise au volant. Nuance. Et quand est-ce que tu vas enfin aller à la salle de sport? Le bon cadeau de 2 séances que ton père t'a offert expire dans 6 mois et qui a toujours pas mis un demi-orteil. Chaussettes de rechange, check. Bouteille d'eau, check. Ah cool, tu te fais une rediff? Non, c'est le premier épisode de la dernière saison, celui du mariage de Marnie. Il paraît qu'il est dingue. Oh mon dieu, Adam est revenu! Ta mère t'a toujours dit qu'on avait un super métabolisme dans la famille et que les bonnes joues font partie de ton charme. C'est important le charme. Ok, bon, t'es peut-être pas la sportive de la famille, mais en termes de culture, qu'est-ce que t'en vois? Tu te dis que Gossip Girl, c'est pas loin d'être les liaisons dangereuses d'aujourd'hui? Faut vivre avec son temps. Oh, dur! Et puis tu te dis que tu t'en tires pas si mal finalement. Toi qui partais sur un combo bague, mono-sourcil, gloss de pouf à saveur framboise, sans oublier l'amour sans limite pour Jérôme, le rebelle de ta promo. Tu te retrouves aujourd'hui fière détentrice d'un CDI, dont l'avenir romantique est plein d'espoir, au métabolisme respectable et la culture télé irréprochable. What else? Jeune diplômée, recherche le bonheur.